Et salut les gens, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc retour sur Driver, du coup, où on va continuer là où je m'étais arrêté. Donc j'espère que les personnes qui voulaient voir la suite, bon, je vous ai pas trop fait attendre, mais j'espère. Du coup, donc voilà. Au pire, enfin au mieux pour vous, au pire pour moi, bah, vous êtes allé voir ailleurs pour essayer de voir la suite, possiblement. Du coup, donc voilà. Bref. Du coup, donc, suite de notre infiltration, du coup. Vous avez un nouveau message. Salut, c'est Rufus. Tu me connais pas, mais moi oui. Je t'attends au Electric Lady Lounge sur Océan. Faut qu'on parle. Sois pas suivi. Pigé. Salut, Ouais, c'est c'est Rufus. bien ce message. Du coup, donc, voilà. Salut. Donc, je rappelle que j'utilise mon ancien matériel pour filmer la PS1. Du coup, donc voilà. Parce qu'en fait, mon nouveau matériel n'est capable que d'enregistrer les cutscenes. Du coup, mais le in-game, pas du tout. Donc voilà. Donc, on va lancer. Du coup. Ah mon Dieu. Ah j'aurais dû travailler, j'aurais dû m'entraîner. Honnêtement j'aurais dû m'entraîner. Je me suis pas préparé. Je relance comme ça du coup après 2 mois de ne pas avoir joué dessus. Voilà. Donc, du coup à chaque fois que je me lâche, ça va faire ma 8e fois que je me fais niquer quoi. J'en ai marre. Accélère, espérons qu'il n'y a pas de flic sur le chemin pour l'instant. Si je peux éviter, ça m'arrangerait. En fait, il faut gérer sa vitesse et son temps. C'est ça, driver, à l'idée. Si t'as le driver, c'est tout à fait ça. Il est de mon sens. Bon, putain, vas-y, j'accélère, je vais le semer en chemin. Et voilà. Quel seum, mec. Les flics dans Driver, ça fonctionne. Je dis pas quel point. Tu vas le step. Je conduis comme un pied, hein. Après j'ai pas mon permis. J'ai pas mon permis course poursuite. Du coup, désolé. Non, il y a encore des flics devant. Chier. Foutez-moi la paix, bordel. La paix, s'il vous plaît. C'est tout ce que je demande. La paix. Putain. J'ai tellement pas de chance. J'ai tellement pas de chance. Je déteste Driver. Je vous déteste. Je vous déteste Reflection Games. Je vous déteste tous. Allez tous crever. Sucer des bites en enfer. Ah, apparemment là c'est bon, c'est parfait, c'est bon. Oh là je... C'est parfait. Donc j'ai réussi. Ah le pied. Cinématique. Laisse-moi te présenter tout le monde. Moi, c'est Rufus. Et la ninette là, c'est Jessie.
paraît que tu fais de la route en ce moment. Et ça fait pas mal de bruit. Tu sais quoi? On se connaît. Ouais, je t'ai déjà vu quelque part. Tu sais qui c'est ce type-là, Jesse? Je sais pas, un chauffeur. Tout faux, mignonne. Ce type-là, c'est un mutant. C'est pas du sang qu'il a dans les veines. C'est du super. Tu devrais aller boire un verre, mon minou. J'ai pas soif. Tu devrais aller boire un verre, mon minou. J'étais là, le jour où Rusty Slater t'a cherché des noix. On peut dire que tu leur as mis le feu ce jour-là. J'ai cru qu'ils s'en sortiraient jamais. Toi et moi, on peut faire du bon business. Il se trouve qu'un copain à moi fait un séjour à Londres. Et il est vraiment pas content du standing de la maison. Je voudrais lui donner un petit coup de main. Tu me suis? Le Frenchie a une bagnole blindée. C'est un tueur, un vrai. Quand il n'est pas en cabane, la morgue est jamais en rupture de macabre. Je voudrais lui faire prendre un peu l'air, tu vois? Tu le charges en voiture, tu lui fais voir le pays. La course te rapportera 8000 balles. Ça te tente? Que ce soit bien clair, si tu me plantes, Tanner, t'as intérêt à te faire oublier. Alors, marché conclu? En petite coupure. Donc voilà, Driver, c'est cool comme ça, mais c'est chiant à jouer en fait. C'est tellement dur des fois. Vous vous en rendez pas compte, hein, ça a l'air d'être simple, mais en fait c'est super compliqué. La conduite, elle est assez compliquée. Donc, à chaque fois, quand vous êtes une poursuite inversée, que c'est vous qui poursuivez, le chauffeur ou adverse change à chaque fois de chemin. Donc voilà, ça nous à chaque fois de nous adapter et à essayer de le choper. Donc voilà, c'est très chiant. Donc il y a vraiment une difficulté. Il suffit qu'il s'éloigne à peine trop de nous, on perd de vue, mais vraiment de vue, c'est foutu. Même si la map nous signale hein, où il est. Considéré comme loupé. Donc voilà, Driver c'est un jeu avec sa difficulté. Donc ça à nous vraiment de nous adapter. Même si c'est pas un jeu avec une très longue durée, il s'avère assez difficile. Ouf. Allez, faut recommencer. J'ai défoncé gars. Tu vas voir. Pas sans se passer. Putain. Moi, je prends mon moment, je me prends des tonneaux, je perds un peu de ma caisse à carrosser. Mais lui, quand c'est une voiture prétendument blindée, du coup, voilà, ça. Yes! Allez, j'ai pas l'air. Joli, merci. Ah, c'est chiant, c'est dur. Demi-tour, go! Attendez. Ouais. Donc c'est... Oui, pas grave. Hop. C'est ok, pas. Je vais le sortir de là, notre Frenchy. C'est à peine raciste de dire Frenchy. C'est à peine raciste. Enfin, j'utilise certainement pas le bon mot pour le sol. Voiture devant s'il vous plaît, ça m'arrangerait. J'ai toujours un œil sur le radar, à la con, ouais. Je balise comme vous. À tous les coups ils vont m'en mettre un, non c'est bon, il est vert. À
À tous les coups, on va en mettre un au dernier moment. Bim, dans ma gueule. Non, mais pourquoi tu glisses? Je t'ai pas demandé de glisser. Je t'ai demandé de ralentir. Et comprendre la conduite dans les... surtout dans les premiers. C'est lourd, ça rebondit de partout. Ah mais, il s'est mis devant moi ce connard aussi. Putain, la route, bordel. J'ai une mauvaise foi. Ah mais moi, la mauvaise foi, des fois, c'est dans Driver, je ferai la mauvaise foi. Ouf, ça c'est fait. Ouf. J'ai un petit creux. Et 4 heures. Hop, allez, un petit goûter. Oh, c'est garant, là. Évidemment, je vais vous supprimer le fait de m'entendre manger. Montage. Mais j'avais un petit coup. Du coup, donc retour. Avec les nouvelles consoles, j'ai plus que ça soit rond pour faire retour. Vous avez deux nouveaux messages. L'ancienne configuration. J'ai un super job à te proposer, ça devrait t'occuper un moment, mais tu vas faire des étincelles. Appelle-moi vite. Écoute, j'ai un bolide à livrer à un client. Cette caisse, mon vieux, elle a tellement de cylindres que tu pourrais pas les compter sur tes petits doigts potelés. Faudrait que tu l'amènes à un pot à nous avant 7 heures, tu vois. Elle est déjà bookée pour un job. Le timing va être juste, mais il y a intérêt à ce qu'elle arrive nickel. Elle doit avoir l'air tout juste sortie de l'usine. Il veut même pas imaginer que quelqu'un d'autre a posé les yeux dessus. Grouille-toi, sinon je donne le boulot à quelqu'un d'autre. J'essaye de rester zen, car j'en ai marre. C'est pas le jeu le plus long au monde, hein, faut savoir. Mais oh mon dieu, qu'est-ce qui peut être compliqué des fois, comme jeu. Poursuivre, ils me rendent déjà directement dans une voiture. Allez, tu peux pas tester. Alors, depuis tout à l'heure, j'essaie de prendre la route au-dessus, ça c'est trop compliqué, trop petite. En cas de poursuite, c'est un problème. Du coup, donc on a très peu de marge de manœuvre pour tourner tout ça. Du coup, donc il vaut mieux reprendre celle-ci là. Du coup, même si ça rallonge un peu, du coup, on fait une descente. Parce que, du coup, on redescend. On va après monter, donc oh, j'ai vraiment du mal. Suffit d'un choc de rien du tout, hein, pour vous dire, pour presque perdre plus de la moitié de la barre de
le dommage du véhicule. Donc, pour vous dire à quel point ça va être compliqué. J'ai pas que ça à faire, donc pas perdre mon temps avec les flics. Donc faut rouler, point. Oh, je suis de l'autre côté, hein, ta gueule. Et là, bim, une voiture de flic. Là, ils sont capables de nous faire le coup. Ils l'ont déjà fait auparavant, donc j'ai pas beaucoup apprécié. Je vous le dis tout de suite. Yes. Ah. C'est bon ça. Vous avez 3 nouveaux messages. Salut! On est en train de monter un traquenard! Comme t'es malin pour un blanc, t'as deviné que c'est toi qui fais la chèvre! Rappelle-moi! Ouais, il me faudrait 2 pizzas extra de luxe poulet, avec supplément de fromage. Voilà, ce sera tout. Normal, le mec il a fait une pizzeria, ouais, non, désolé, je ne fais pas ça. Si ça te dit, fais-moi signe. C'est dommage, hein. Ça sera drôle. Grouille-toi. D'Angio. Yo, mon frère, cet abruti de D'Angio a carrément pété les plombs. On a dû accélérer le mouvement, c'est pour tout de suite. Je suis pas libre. Je veux pas le savoir. Il est préfet sur un de nos coups. Il faut qu'on lui règle son compte et qu'on lui ruine sa caisse. Qu'il ait pas de temps de dire ouf. Alors c'est ok, je peux compter sur toi, mec. Les gars, je veux la bagnole de Django. Django ou Django. Diango, je sais pas, j'ai mal vu. Je vais le tourner. Descends. Je suis chauffeur, pas tueur en série. Rien à voir. Allez,
éventuellement je peux le choper. Hop. Comment elle est. Mon premier coup. Hey. Ça c'est bon. Ouais, sauvegarder. Là je vais sauvegarder, je m'en fous. Je sauvegarde tout, comme ça je suis sûr de pas avoir de problème. Qui va se faire de suite. La plupart de mon équipe. Bon, je vous avoue, un peu parano, j'ai sauvegardé deux fois de suite en fait. Le mec est un peu parano quoi. Mais là, ça a été rapide. Oh, écoute-moi, baby. Tu viens me voir dans le bureau? Allez, viens, si ça se trouve, j'ai un cadeau pour toi. Moi, j'ai une surprise pour toi. Recule, minable. Allez, Jessie, bébé, calme-toi. Tu sais ce que c'est, ça, non? Donne-le-moi, baby. Coucher, Rufus. Complique pas les choses. J'ai jamais voulu ça. Donne-le-moi, s'il te plaît. Tu l'as bien cherché, baby. Les mots qui le genre de dialogue qu'on a plus dans les jeux vidéo. Allez, il pleut. Et il faudra suivre le monorail. Oui, parce que c'est un monorail. On s'en fout de ce que c'est, mais... Enfin, je crois, oui, que c'est un monorail. Enfin, bref, c'est un truc très américain, encore. À l'époque. Puis, il est plus développé. J'aime pas tous. Ah, j'aime pas, ça me rappelle Driver 2, au début, où on doit poursuivre un train. Enfin, une rame de métro. Ça, c'était chiant, aussi. Quand je réfléchis à ça, j'ai pas envie de faire le 2. J'ai quand même le faire, je pense. Parce que c'est des bons jeux. Ils méritent d'être sales, d'avoir une visibilité. Du coup, et ça, même si c'est des jeux qui ont été déjà faits et refaits, du coup, c'est des jeux qui méritent de ne jamais tomber dans l'oubli. Les drivers, tout ça, c'est, ça ne devrait jamais tomber dans l'oubli, quoi qu'il arrive. Du coup la route est non plus glissante, donc je m'adapte comme je peux. Et tout le monde a à peu près la même voiture, c'est un peu casse-couille. On va pouvoir m'échapper, connasse. Crois-moi, tu m'échapperas pas. Personne ne m'a jamais échappé. C'est que tu ne me connais pas. Et voilà. Bien joué et merci. J'aime bien les compliments. C'est toujours sympa les compliments. Du coup, donc normalement, on a une cinématique et après, ça va être la fin de Miami. Du coup, on va donc, du coup, moi je vais vous laisser après la cinématique. Donc, je regarde. Bah oui. Débile. J'ai jamais dit que c'était débile. Je sais, je sais. Du coup, c'est une grande avancée dans le jeu. Voilà. Hop.
Un conseil, jeune fille. Sois un peu plus coopérative ou ça va mal finir. Je veux voir mon avocat. Je vois, mademoiselle est dure d'oreille. Tu nous intéresses pas. Nous, c'est le Frenchie qu'on veut. Ou peut-être que tu veux nous dire pourquoi t'as dégommé ton patron? C'était pas mon patron. Je m'en fous. Écoute, moi j'aimerais mieux pas mourir trop jeune, alors... j'ai pas le choix, je fais ce qu'on me dit et je la ferme. La vie est dure, hein? C'est ça, fais le malin. Écoute, t'as deux solutions. Ou on se met d'accord toi et moi, ou t'en prends pour 20 ans. C'était le Frenchie qui tirait les ficelles. Et au-dessus de lui? J'en sais rien. Bon, on verra ça plus tard. Évidemment, tu sais pas non plus où on peut trouver le bonhomme. J'ai dit, évidemment, tu sais pas où on peut trouver le... C'est bon, j'ai entendu. Il est à San Francisco.